Bonjour, je suis José Delgado, le dirigeant de Pluritech. Depuis 1993, nous fournissons de la formation aux constructeurs de véhicules industriels et aux véhicules légers. Et depuis 2 ans maintenant, avec la pandémie Covid, nous avons décidé de réorienter notre offre. Le secteur de l'automobile a été grandement bouleversé par des problèmes d'approvisionnement de pièces et une envie de consommer autrement. Nous avons donc décidé d'élargir notre offre de services aux professionnels. Au-delà de la formation, nous fournissons maintenant des solutions de diagnostic et de réparation. Aujourd'hui, nous formons plus de 500 personnes par an sur les métiers de la réparation de véhicules, aussi bien des techniciens que des technico-commerciaux ou des responsables d'atelier. En discutant avec nos différents partenaires, nous avons observé que la seule possibilité qui était offerte à leurs clients en termes de réparation, c'était le changement de la pièce par une pièce neuve ou plus récemment une pièce de réemploi. La problématique, c'est que ces pièces sont soumises à des délais de livraison, des fois à un coût élevé. Fort de nos compétences en électronique, en motorisation hybride et en véhicule électrique, nous avons décidé de leur proposer une solution de réparation pour les éléments haute tension tels que les batteries ou tous les autres organes composant le système hybride ou électrique. Depuis 2 ans, nous avons fait de nombreuses recherches sur la réparabilité des éléments haute tension et notamment les batteries. On s'est aperçu que certains constructeurs font des assemblages vissés, comme ici, qui permet de proposer des solutions assez faciles aux différents partenaires. Et d'autres constructeurs ont choisi de souder leurs cellules lithium, ce qui nous rend beaucoup plus complexes les processus de réparation. Malgré tout, nous arrivons quand même à proposer une solution permettant de remplacer la partie en défaut dans la batterie et ne pas changer la totalité du composant. Aujourd'hui, on a des solutions concrètes sur les véhicules électriques et hybrides que l'on pourra prochainement proposer en formation.